Bonjour à tous, dernière journée à Melbourne où le soleil est revenu comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui je sors actuellement de la librairie où il y a un wifi excellent, de là où j'ai pu donc poster les vidéos en cours. Et oui, parce que le wifi de mon hôtel était vraiment très mauvais. Donc on m'a conseillé de venir à cette librairie. Effectivement, en moins de 10 minutes, ma vidéo était déjà publiée sur le net. Donc voilà, dernier petit tour au centre-ville et puis ensuite je me dirigerai vers l'aéroport de Melbourne pour me diriger un peu plus au nord. Donc qui dit plus au nord quand on est dans les hémisphères dit pardon, plus de soleil. Donc vous avez deviné, je vais vous emmener dans la plus grosse ville d'Australie, à savoir Sydney. Mais avant, dernier petit tour donc dans la ville de Melbourne, dans le centre-ville. Vous voyez, aujourd'hui c'est une journée, nous sommes mercredi. Vous pouvez voir les étudiants donc, qui vont en cours. Et donc voilà, c'est sympa, c'est la vie, la routine, voilà, c'est une journée ordinaire à Melbourne. Donc c'est vraiment agréable. En plus là, ça y est, maintenant, je suis vraiment adapté au décalage horaire. Donc je suis vraiment adapté au fuseau horaire de Melbourne, de la côte ouest australienne. De la côte est pardon australienne. Donc c'est vraiment vraiment agréable. Voilà. Alors ce qui est bien ici, c'est que le tramway est gratuit en centre-ville, donc vous pouvez vous déplacer partout gratuitement dans le centre-ville. Voilà. Donc ça c'est vraiment agréable, ça évite de marcher si on est fatigué le soir, sortir tout ça. En plus il y a des stations vraiment partout, donc il n'y a vraiment aucun souci. Et même si vous avez des correspondances, c'est très rapide, donc pas de problème pour se déplacer à Melbourne. Le Parlement de Victoria, donc l'État. Melbourne est la capitale. Et vous pouvez voir maintenant ce très beau jardin de Melbourne. La navette pour l'aéroport à 13h, donc le temps de récupérer mes valises, après l'enregistrement, tout ça, j'aurai pas le temps de marcher, d'autant qu'à l'aéroport c'est super cher. Je suis maintenant à l'aéroport de Melbourne pour me rendre à Sydney. Et je suis donc dans le terminal 4, qui est le terminal de Tiger Air, donc la compagnie que je vais prendre pour me rendre à Sydney. Et donc tout est moderne ici, tout se fait avec les machines, donc même le dépose bagages se fait par des machines, c'est pas ça.